Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Altaïr, viens! Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où allons-nous? Là-haut. Nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Tu ne vas pas tarder à comprendre. Place-toi sur cette plateforme, Altaïr. Hérétique ! Hérétique ! Rendez-moi ce que vous m'avez volé ! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues un jeu dangereux ! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu ! Amenez l'otage ! Ton village est en ruine, et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle ? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim ? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leurs vœux. Elle est leur récompense. Parfait ! Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi, et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle! Ah! Ah! Ah, ma jambe! Ah! Ah, ma jambe! Silence! Les Templiers vont nous entendre. Mmh.
rester avec lui. Il va devoir continuer sans nous. Tente de mêler au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. La mort s'abat sur nos ennemis. Réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance. Que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hachichiyun, nous ne sommes rien. Ces trois règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. Troisième et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore une heure ou deux. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Je ne veux pas le croire.
Ce n'est pas moi. Je n'apprécie pas du tout que vous remettiez en question mon autorité devant le prisonnier. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer, alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila? Depuis l'accident, on est tous un peu grand. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirerons déjà rien. Mais nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ses souvenirs sans intérêt. Je ferai de mon mieux. C'est terminé pour aujourd'hui, Monsieur Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. C'est pas vrai, ils ont verrouillé la porte. Fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte. Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, Monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants pouvait sauver des milliers de vies, ils considéraient que ce sacrifice en valait la peine. Quasi respectable ? Ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation. La rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile. Et parfois, ça ne prend pas. Laissez-moi deviner. Vous avez une meilleure solution, pas vrai? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret.